Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une revue spéciale Martine Cosmetics. Donc c'est une youtubeuse, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Martine, qui vivrait par hasard dans un igloo. C'est une youtubeuse beauté avec un humour hyper décalé. Je surkiffe cette meuf. Franchement, elle me fait trop rire. Bref. Et en fait, elle a sorti sa marque de cosmétiques. Elle a vraiment créé les essentiels. Palette de fard à paupières, eyeliner, lipstick. Je crois que c'est tout. C'est que le début, je pense. Je pense qu'elle ira plus loin. Je me suis dit, vidéo consacrée au lipstick, je vous ferai une autre vidéo où je testerai ces palettes. En fait, pour vous dire toute la vérité, je n'ai toujours pas reçu les palettes. Il y a même un rouge à lèvres que je n'ai pas reçu. Donc je me suis dit que j'allais commencer par ce que j'avais là. Donc j'ai reçu ça dans une petite boîte noire, donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc dans le colis on a une petite carte, donc une petite carte avec écrit merci ma petite salopette, hein, bien entendu, voilà. Donc je vais essayer de vous faire une revue hyper complète, je vais vous donner mon avis sur les couleurs, sur la tenue aussi, sur le packaging, etc. Franchement je crois que c'est celui que je préfère, le Ginette. Enfin, j'ai tout de suite flashé dessus sur le site, j'ai flashé sur le Ginette. Donc on va ouvrir la bête et on a le lipstick, donc voilà, donc c'est simple, moi j'aime beaucoup avec le bouchon noir, j'aime bien. Donc là on a le logo de la marque, donc le Martine Barré, Martine Cosmetics. Franchement j'aime beaucoup, c'est hyper sobre, c'est simple, j'aime bien, voilà. Et on a le logo également sur le bouchon et je vais vous swatcher juste ici. Et waouh, la couleur elle est trop belle. Elle est super belle, la couleur elle est super belle. Donc je vais vous montrer porter ce que ça donne. Alors, l'application est hyper agréable. Donc bien sûr j'ai pas pris de miroir, j'espère que je vais pas dépasser. Moi j'aime bien la sensation, ça fait vraiment ça fait velouté, c'est voilà comme du velours, donc j'aime bien. C'est, en fait, ils me font beaucoup penser au vinyle de chez NYX au niveau de la sensation. Donc après voilà, ils collent pas, il n'y a pas de sensation de, vous savez, vous savez, il y a des rouges à lèvres qui ont cette sensation de lèvres sèches et moi je déteste ça. Et là, on ne ressent pas du tout cette sensation. Là, pas du tout, on a vraiment cette sensation de lèvres mates. Donc après, on va faire le test pour voir s'il y a un transfert ou pas. Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a absolument rien. Donc il est bien. Franchement... super, il n'y a rien à dire. Donc voilà, il est vraiment bien. Il n'a pas d'odeur. Il n'a pas d'odeur. Pour récapituler vraiment les gros points forts, je dirais donc qu'il ne sèche pas. Il est bien mat, il est sans transfert, il n'a pas d'odeur, il ne colle pas, il n'a pas de cette sensation de lèvres sèches. Voilà, il est hyper agréable à appliquer, sensation de lèvres veloutées, comme du velours. Donc voilà, gros plus. Au niveau du packaging, hyper simple, hyper sobre, moi j'aime beaucoup. Donc c'est une sorte de rouge un peu avec des sous-tons un peu violets, il est trop beau. Voilà pour le Simone que j'aime beaucoup. Franchement ils sont hyper difficiles à retirer. Donc on va passer au Joséphine. Je vais aller jusqu'au coude là, ça continue comme ça. Il est joli, Joséphine. Il est joli. C'est un violet foncé, hyper joli. Franchement, il est super beau. Et voilà pour le dernier. Donc celui-ci, c'est le Bert. Franchement, c'est mon préféré, je crois, le Bert, il est trop beau. Donc voilà, j'espère qu'elle continuera dans cette lancée. J'espère que sa marque connaîtra un vrai succès parce que c'est mérité pour moi. Elle a vraiment créé une marque autour de son univers. Jusqu'au nom de ses produits, franchement, c'est original.
c'est Gaëlle et moi j'aime beaucoup, je la félicite. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire une vidéo, parce que c'est une manière pour moi de la féliciter et puis c'est une manière aussi d'être solidaire avec les créatrices. Je vois des créateurs qui arrivent à réaliser leurs rêves de créer des marques, etc. Je pense que c'est un peu le but ultime de 80% des youtubeuses beauté, des youtubeurs aussi. Donc voilà, franchement toutes mes félicitations à toi si tu passes par là. C'est top, j'ai hâte de tester tes palettes, donc je les attends avec impatience. Sur ce, voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez testé, si vous avez envie de vous laisser tenter. N'hésitez pas à tout me dire. Mes petites cocos, mes petites Martines, je vous fais de gros bisous, vous prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.